C'est une première en France. Le service d'ophtalmologie du CHU de Rouen et l'hôpital de Neuchâtel-Embray ont mis en place un protocole de coopération innovant, validé par l'ARS Haute-Normandie. Le principe, permettre à un orthoptiste de réaliser des bilans visuels dans le cadre d'un renouvellement de lunettes à Neuchâtel et faire analyser les résultats par un médecin ophtalmologiste du CHU de Rouen via un système de télémédecine. Je me rends à l'hôpital de Neufchâtel le mardi matin, jeudi toute la journée et le vendredi matin et après-midi avec un chef de clinique pour les cas pathologiques. Et le reste du temps, je suis donc seul pour voir des patients nécessitant un bilan visuel simple que je peux réaliser dans le cadre des protocoles de coopération. Et donc on arrive sur le parking de l'hôpital. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Je ne vois plus avec mes lunettes. Ce dispositif permet aux patients de 6 à 50 ans, n'ayant aucune pathologie oculaire connue, de bénéficier d'un bilan visuel complet sans prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste. J'envoie tout ça au CHU de Rouen. Ça va être analysé par notre chef de service. Et en fonction de ça, on valide ou pas le dossier au niveau médical par télémédecine. Une offre de soins qui permet de répondre à la pénurie de spécialistes. Donc l'avantage, c'est qu'on a un logiciel qui permet d'accéder, donc c'est l'intérêt de la télémédecine, aux dossiers qui ont été ouverts lors de la consultation des patients à Neuchâtel-Embray. Donc nous, de l'hôpital Charles-Nicolle, on va sur n'importe quel ordinateur avec notre identifiant, et en compagnie de l'orthoptiste qui, lui, est présent régulièrement au CHU, on va revoir la liste des patients examinés. Le patient recevra sa prescription de verre correcteur directement à son domicile, une semaine après son examen.